J'ai commencé à 9 ans dans la ville où j'ai grandi, Astin. J'ai commencé par hasard. C'est ma tante. J'étais avec mon petit frère. On a croisé son entraîneur à l'époque dans le bus. Elle a dit, bah tiens, c'est mes neveux et tout. Et voilà, est-ce qu'il pourrait venir à un entraînement? Donc on est passé là-bas avec mon petit frère et on a accroché. C'est comme ça qu'on a débuté. Donc Astin. Ensuite, je suis allé à Saint-Denis, la ville d'à côté, jusqu'à mes 15 ans. Donc là-bas, j'étais en minime région. Après ça, je suis allé à Levallois, donc à 15 ans. J'ai fait ma première année cadet en région première div avec Jean-Marc Dupraz, qui est le coach de Limoges en ce moment. Après ça, j'ai fait cadet France deuxième division. On a fini vice-champion de France, cadet France deuxième division. Donc à la suite de ça, on est monté en première division. L'année d'après, on était en cadet France Première Div, on a fait le top 16. Et après ça, j'ai fait un an avec la Pro B de Levallois, l'année de mes 18 ans. Et à 19 ans, je suis arrivé au centre de formation de la JDA jusqu'à maintenant. Bah, c'est vrai que depuis que j'ai commencé le basket, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un. Qui a plus été porté vers l'attaque. Mais après, le truc, bah, c'est que quand tu es jeune joueur à haut niveau, à moins que tu sois un prodige et encore, bah, ça passe par la défense pour gagner ses minutes sur le terrain. Bah, c'est une chose que j'ai quand même appris avec Jean-Louis Borc, c'est mettre au profit de la défense mes qualités athlétiques qui ont toujours été ma première qualité depuis toujours. Donc justement, s'en servir et pour pouvoir progresser en défense et être efficace des deux côtés du terrain. Prendre conscience qu'avec les capacités que j'avais, je pouvais avoir un impact de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire en défense. Beaucoup de rigueur aussi. Beaucoup de rigueur, puisque c'est vrai qu'avant ça, je n'avais pas eu d'entraîneur comme ça. Donc, être vachement rigoureux, faire attention aux détails. Et aussi, mentalement aussi. Et rester concentré. Je suis quelqu'un qui avait tendance aussi à m'énerver, ou lorsque je faisais une ou deux erreurs, après, je commençais à faire n'importe quoi, quoi. Puisque ça, je faisais une erreur, je restais dessus. Et c'est ça aussi que j'ai appris. Savoir. Effacer l'erreur et tout de suite se concentrer sur l'action d'après et essayer de se rattraper. Tony, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui me parle souvent, qui conseille, mais il va plus donner l'exemple sur le terrain. Et c'est vrai que j'essaye, c'est sûr que c'est super intéressant de devoir attaquer contre lui, mais aussi de défendre, parce que c'est quelqu'un aussi qui est fort en attaque. Mais ouais, moi de toute façon, c'est des gens sur qui je dois prendre exemple. C'est des personnes qui ont fait des carrières, que ce soit Tony, Mikal ou Antoine, c'est des gens qui ont des carrières derrière eux. Et moi, c'est à moi de prendre le meilleur de ces gars-là. Et de me servir aussi de leur expérience pour que ça m'apporte, moi déjà personnellement, pour pouvoir avancer et progresser. C'est clair que ça permet déjà de prendre de la confiance, parce que début de saison qui a pas forcément été facile, déjà d'un parce que je revenais de blessure.
Faut se remettre dans le bain, faut essayer de retrouver des sensations. C'est pas pareil. Au départ, c'était un peu compliqué. Après, c'est vrai que j'ai profité de la Coupe d'Europe et Jean-Louis aussi, on en a parlé. C'était vraiment, me libérer et pouvoir retrouver de la confiance. C'est ça qui était important. Après, hier, on est tombé sur une équipe, comme je t'ai dit, hein, ils ont fait le déplacement, tout ça, ils n'étaient pas forcément dans leur match. Donc, nous, après, c'est bien, ça nous a fait profiter aux jeunes, Malé et moi, en l'occurrence, hier. Et c'est clair que ça fait du bien pour la confiance. Et peut-être après en championnat, là où on est un peu moins utilisé, essayer d'être performant sur de courtes séquences. Moi, en tant que Dijonais, maintenant, on va dire que ça fait un petit moment que je suis là. Donc, déjà, c'est merci pour leur soutien parce qu'ils ont été là. Dans les bons comme les mauvais moments, parce que je me rappelle que moi, étant en espoir, il y en a que je voyais en espoir. Et ils étaient là au match pro, ils étaient là au match espoir. Et je pense que c'est pas dans tous les clubs qu'on peut voir ça. Donc merci pour leur soutien. Et j'espère qu'ils nous soutiendront encore cette année. Et s'ils sont de plus en plus nombreux, ça nous aidera.